Ce week-end du 2 et 3 mai 2015 s'est tenue en selle la deuxième édition du Salon de l'élevage haut alpin, avec au programme du week-end de nombreux championnats, concours et autres défilés qui ont fait la joie des agriculteurs sur place et des passants. Retour en images sur ce week-end chargé avec notre reporter sur place, Léo Catelan. Et bien ici sur cet espace, nous vous proposons la bière d'Ancelle, donc la bière qui est produite à 150 mètres d'ici. Nos produits sont distribués dans un réseau de cavistes, magasins de pays et également dans les bars et les restaurants du village. Pour nous, ça représente un petit moment sympa en famille. C'était un moment agréable à passer, à les montrer à nos enfants, les bêtes, de montrer un petit peu le monde de l'agriculture qui est proche de chez nous et qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc on vient pour vendre nos produits de la ferme, charcuterie, on fait des saucissons et du pâté. Alors, je suis avec un membre de l'organisation de ce deuxième salon de l'élevage. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, ce salon cette année ? Ben, nous, ça représente vraiment un gros événement sur le département. C'est notre plus gros événement qu'on peut réaliser avec les jeunes agriculteurs. On fait beaucoup d'autres, mais d'une importance comme celle-là. On a fait sur 2 jours. Hier, on a fait peut-être 700-800 repas. Aujourd'hui, on a dû... presque être à 1000, il y a du monde, c'est vraiment une grosse réussite pour notre équipe de jeunes agriculteurs, on est vraiment très contents. Ce deuxième salon d'élevage est maintenant terminé, nous espérons que ce reportage vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver en intégralité sur le www.tv16.fr.